Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser PiratePad, qui est un éditeur de texte collaboratif en ligne, pour traduire un texte latin ou grec en classe ou à la maison. Alors tout d'abord, il faut se rendre évidemment sur le site PiratePad. Je fais la recherche par Google et j'utilise le premier lien qui m'est proposé par le moteur de recherche. J'arrive sur la page d'accueil du site et là, il faut créer une nouvelle page, un nouveau texte collaboratif sur lequel travailler avec les élèves. Et c'est très simple, il suffit de se rendre dans la barre d'adresse tout en haut, de supprimer le texte front page slash et de le remplacer simplement par le titre que vous avez choisi pour votre texte, par exemple Bellum Gallicum. Une fois le titre tapé, vous appuyez simplement sur la touche Entrée et PiratePad va ouvrir une nouvelle fenêtre qui vous propose de créer un nouveau texte collaboratif qui est appelé un pad. Donc là, vous cliquez simplement sur la proposition Yes, please create the pad. Et le tour est joué, votre pad est créé. Alors, il vous reste maintenant à compléter ce pad, ce texte collaboratif, en proposant aux élèves un texte à traduire et évidemment une consigne. Alors, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez tout simplement le taper manuellement. Ou vous pouvez aussi choisir de faire un copier-coller à partir de votre logiciel de traitement de texte ou bien tout simplement d'une base textuelle sur Internet, de copier un texte et de venir le coller dans votre pad. Voilà, donc là, on a collé notre texte, donc le début de la guerre des Gaules et en dessous les consignes. Alors vous remarquerez que tout ça est surligné d'une couleur qui est en fait appliquée par rapport à un auteur. Puisque PiratePad est un éditeur de texte collaboratif, on va pouvoir travailler à plusieurs auteurs sur ce texte et donc on verra les modifications qui vont être faites, qui vont être apportées et l'exercice qui va être fait en temps réel. Donc une fois votre pad créé et le travail copier-coller dans sur votre pad, il ne vous reste plus qu'à mettre les élèves au travail. Pour cela, deux possibilités. Soit vous donnez directement l'adresse du pad aux élèves en classe et les élèves vont accéder aux mêmes informations que celles qu'on a à l'écran pour l'instant. Soit deuxième possibilité, c'est un travail à distance que les élèves doivent faire à la maison. Et à ce moment-là, vous avez cette petite option, donc je remontre, en cliquant sur le bouton bleu Share this pad, vous avez la possibilité d'envoyer par mail une invitation aux élèves qui leur indiquent l'adresse du pad où ils doivent effectuer le travail. Voilà. Il suffit de coller l'adresse du ou des élèves concernés, de compléter le message éventuellement avec une consigne complémentaire et d'envoyer par mail aux élèves pour qu'ils puissent faire le travail à domicile. Alors pour finir, je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'on utilise PiratePad avec les élèves, en prenant un autre texte qui était commencé avec les élèves. Voilà, donc quelque chose de très coloré, puisque apparaît à l'image, dans différentes couleurs, les différents élèves qui ont participé au travail. Et puis, vous avez une option, tout en haut, ici, à droite, qui s'appelle Time Slider. Alors le Time Slider, c'est en fait une timeline, c'est-à-dire l'évolution chronologique du travail qui a été fait. Donc vous pouvez voir ça depuis le début, c'est-à-dire depuis le moment où le professeur rentre le travail à faire pour les élèves. Et puis vous allez pouvoir aller bien plus loin et vous déplacer comme vous voulez sur la ligne de temps pour voir ce qui a été fait par les élèves. Donc le travail de recherche de vocabulaire. Et ça va vous permettre évidemment, cette timeline, d'évaluer les élèves, de voir quel travail a fait chaque groupe. Si le travail était sérieux, régulier, et évidemment d'évaluer ensuite les élèves en conséquence. Enfin, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'utilisation de PiratePad, vous pouvez toujours consulter
le tutoriel qui est disponible sur Latin Eloquere en cherchant simplement dans le moteur de recherche avec les mots-clés traduction collaborative avec PiratePad ou simplement PiratePad. Vous obtiendrez un tutoriel illustré par de nombreuses captures d'écran et beaucoup d'autres exemples pour l'organisation du travail notamment.